Bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce mercredi 22 avril et cette belle neige qui va et qui vient à Montréal? Ce sont les aléas de notre belle saison, mais que voulez-vous? Le but de ma vidéo est de vous parler des masques de protection et du business qui est relié. On voit depuis de nombreux jours des annonces qui fleurissent à gauche et à droite, des sites qui promouvoient certains designers et les masques qu'ils vendent. Personnellement, chez Finezza, nous n'adhérons pas à cette idée de business relié à des objets essentiels, surtout dans une telle période, le fait de faire des sous sur quelques masques vendus à gauche et à droite, alors qu'on devrait vraiment pouvoir s'entraider et faciliter la chose. Je pars d'un proverbe qui est assez connu, qui dit ceci. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Donc le but ici, c'est de favoriser l'autonomie et l'entraide mutuelle. Alors, pour vous aider à faire votre propre masque gratuitement, il existe de nombreuses vidéos via YouTube, Pinterest, que vous pouvez retrouver, mais il y en a deux qui ont retenu notre attention, que je vais mettre à disposition dans notre bio. Les liens vont y être donc disponibles. Vous pourrez, grâce à cela, fabriquer vos propres masques de protection en moins de 3 minutes, d'une manière très très simple. Je vous montrerai justement à la fin de cette vidéo un masque, le premier masque que j'avais conçu est vraiment en quelques minutes à peine. Là où Finezza peut vous aider, et avec grand plaisir et tout à fait gratuitement, c'est en vous fournissant des choix de tissus. Nous avons de nombreuses retailles de différentes couleurs et motifs que je vais vous montrer ici. C'est un simple échantillonnage, mais dans l'uni, le quadrillé, différentes couleurs et motifs qui sont à votre disposition. De très bons cotons qui vont bien se plier, qui vont être faciles à utiliser. La seule chose qu'on vous demande, c'est de payer le frais de livraison. Mais si vous voulez une vidéoconférence pour vous aider à peaufiner votre masque, choisir les couleurs de tissu, ça va nous faire grand plaisir d'être à votre disposition. Alors, je vous remercie beaucoup. Si jamais vous avez des suggestions, si vous voulez en discuter avec nous, ça va nous faire un grand plaisir. Le but étant vraiment de vous aider dans ces périodes plus délicates. Alors, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Et bien voilà, chose promise, chose due, un masque confectionné, le tout premier, avec des simples élastiques que vous pouvez trouver chez Dollarama, entre autres. Confectionné en moins de 3 minutes, un coton qui a été replié. J'ai simplement ajouté à l'intérieur un filtre à café, vous pouvez le changer, le laver très facilement et le réutiliser. Alors bien entendu, ça n'enlève pas le besoin de se laver les mains régulièrement, de garder la distanciation sociale. Vous verrez sûrement que dans les prochains jours, le gouvernement mettra à disposition de nouvelles mesures concernant les masques et certainement aussi d'autres liens pour en fabriquer de par vous-même. Alors à nouveau, n'hésitez pas si vous souhaitez en discuter avec nous, si vous avez différentes suggestions, questionnements, nous sommes là pour vous, www.finezza.ca et nos réseaux sociaux Facebook, Instagram. À très bientôt.